Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. On se trouve sur le compte de Madame Achlilililil. Et comme vous le constatez, il y a une petite offre VIP, mais bon, je ne vais pas en profiter. C'est un compte un petit peu voilà troll, plus pour refaire les choses, pour faire des vidéos, etc. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous avais prédit des incontournables. Donc d'après moi, il y a certaines choses qui sont incontournables, qu'on devrait tous avoir dans sa garde-robe. Et c'est une version non VIP. Si ça vous intéresse, je vous ferai la version VIP. Mais bon, je me suis dit la non VIP, elle touchera plus de gens puisque forcément tout le monde pourra y avoir accès. Et étant donné que j'avais fait la technique des Starcoins sur ce compte-là, j'ai un petit peu de Starcoins, je vais pouvoir me faire un petit peu plaisir. Et du coup, bah, eh bien, c'est parti. Bon, on met notre petite Achlilili à poil. Alors on va commencer par la chose la plus répandue, selon moi, ce sont les collants. Donc vous allez dans les bas. Ensuite, catégorie collants. Et là, normalement, il y a des collants bas. Déjà, voilà, celui-ci. Alors ça, on commence vraiment par le top du top. Alors après, bien sûr, ce top me concerne moi, selon les personnes. Vous pourrez forcément trouver des incontournables différents. Je ne sais pas si cette vidéo a déjà été faite, mais je pense que oui. Mais ça concerne moi, mon avis. Moi, ce qu'il faut absolument que j'ai sur MSP. De toute façon, vous l'avez vu, ce collant, je l'ai mis et remis dans les looks. Quand je vous crée des looks, et eh bien tout le temps, vous voyez souvent quand le collant est là. Et quand on est en robe ou jupe ou même en short, bah ça passe crème. Vous pouvez très bien aussi changer la couleur. Moi, j'aime bien cette couleur-là, elle va bien. Donc voilà, déjà pour le premier, c'est le collant. Je l'achète direct. Voilà. Vous avez également le second collant qui est celui-ci. Alors attendez, il faut que j'enlève l'autre. Voilà, alors celui-là il est très répandu. C'est pas mon favori, mais je pense qu'il faut que je le mette quand même dans ce top 10 incontournable, étant donné que c'est un collant qui est vraiment souvent utilisé dans pas mal de looks. Et du coup, bon, moi je pense que ça reste quand même un incontournable, même si c'est pas mon favori. Voilà. Alors pour la suite, je suis allée dans le top et je suis tombée sur ça. Donc ça, selon moi, je n'utilise pas souvent. Moi, personnellement, je n'utilise pas souvent. Mais je vois beaucoup de monde l'utiliser. C'est pour ça que je l'incorpore quand même dans ce top 10 incontournable. Parce que c'est vraiment très très utilisé. Les petites taches de rousseur. Vous pouvez mettre un peu plus de blush. Moi, je suis pas super fan du blush, du coup, j'en ai pas. Mais celui-là, on peut le prendre. Donc moi, pareil, je vais le prendre. Il y a également ces chaussures-là. Alors ces chaussures-là, je pense que je dois pas en dire grand-chose. Je pense que vous les connaissez tous, même IRL, hein, en dehors de la vie de MSP. Par contre, je suis pas super fan de cette couleur-ci. Il va falloir changer un petit peu ça. En quelle couleur on pourrait le faire? Je prendrais bien en rose. Voilà, par exemple comme ça, avec les lacets énormes. Bon, en ce moment, c'est un petit peu la mode. Ensuite, en termes de coupe, il n'y a pas vraiment de coupe incontournable d'après moi. C'est surtout des coupes, on va dire, passe-partout, des coupes simples, avec des couleurs simples, des couleurs naturelles. Donc moi, par exemple, j'ai pris sur cette deuxième page du top, celle-ci. Bien sûr, on va peut-être changer la couleur. On va les mettre peut-être, je sais pas. J'ai bien envie de mettre un petit châtain. Comme ça, ça passe. Ouais, une sorte de peut-être blond vénitien roux, pourquoi pas, pour changer. Voilà, donc il faut toujours avoir une coupe, je pense, d'une couleur entre guillemets naturelle qui passe. Mais en termes de coupe, à part celle à couette à la limite, il n'y a pas vraiment d'incontournable. Vous avez également les shorts. Ben, les shorts, je pense pas en avoir un en particulier. Mais tant c'est un short court, simple, basique, vous avez de différents modèles. Moi pour le coup je prends celui du top également, je le trouve bien, au niveau des couleurs je le trouve bien aussi, donc je pense pas changer les couleurs, on va le garder comme ça. Le petit haut en jeans qui se fait, enfin qui se ferme autour de la taille, je valide. Vaut mieux le mettre d'une couleur un peu différente du short, parce que sinon ça fait trop rappel de couleur, même en haut ça passe je trouve. Mais bon, si on veut faire un truc un peu plus neutre, ouais, celui-ci. Mais en fait, je sais pas si j'ai remis la même couleur exactement. Non, ouais, comme ça, ça passe. On valide. Bien évidemment, nous avons aussi le jeans troué. Alors celui-ci, je le trouve parfait pour du non-vip. Je le trouve vachement beau. Du coup, on va garder celui-ci. Même la couleur, je la change pas. Elle est parfaite. Et on achète. Alors pour le haut, c'est un petit peu dommage. Je voulais prendre celui-ci. Je le trouvais simple, mais c'est du vip. C'est dommage.
C'est d'ailleurs celui que j'utilise, je crois, dans un de mes looks. Soit celui que j'ai fait sur Lalo, soit sur mon personnage à moi, je ne sais plus. C'est un petit peu dommage, il va falloir qu'on trouve à peu près le même style. Style débardeur comme ça, ou un style t-shirt simple. Donc on va essayer de trouver ça. Bon, après, il y a cette veste-là qui est sympathique également. Mais bon, le souci, c'est qu'elle fait un peu moins, voilà, un peu moins casual, entre guillemets. Mais sinon, elle reste très sympa. Avec le bas, ça fait très simple. J'aime bien le look. Mais bien, je suis allée chercher un haut qui est simple, des bardeurs simples au simple. Je n'ai pas trouvé, c'est terrible. Du coup, je pense qu'on va partir sur un t-shirt comme celui-ci. Sauf qu'on va mettre la même couleur pour les écritures et le t-shirt pour que ça se fonde dans la base. Alors, si on veut par exemple en prendre un tout en noir, ouais, on va laisser en noir et on met en noir. Bon, je trouve pas ouf. Hein. Franchement, le rendu n'est pas terrible. On va peut-être choisir une autre couleur, par exemple un bordeaux, ça passera peut-être mieux. Vous devriez enfin trouver quelque chose que notre experte peut valider. Je voudrais montrer ces deux bagues qui vont ensemble. C'est les dents de mon chat. Les dents de son chat? Bah, c'est ce qu'on a entendu, nous aussi. Qui sont incrustées dans le petit triangle, la dent de la résine. Je les ai fait faire sur mesure. Je suis pas super fan. Non, franchement, non. Prenez pas ce t-shirt, c'est pas beau. Je suis allée dans les hauts. Short, t-shirt et haut, j'avais mis. Non, celui-là est déjà beaucoup mieux. Mais, il y a quand même un mais. Alors, par exemple, celui-là est sympa. Ceci, pareil. Voilà, si le haut, on met la même couleur, franchement, ça passe. À ce prix-là, 150 Star Coin, nos VIP, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut prendre une couleur un peu plus foncée. Par exemple, comme celle-ci, je trouve que ça passe. En plus, avec les... Ouais, on peut valider, on peut prendre celui-ci. Selon moi, il faut aussi un t-shirt blanc ou noir, donc là, on le prend en blanc, ça le fait mieux. 150 Star Coin, page 11 de t-shirt et haut. Franchement, celui-là, il passe, on le prend. Là, techniquement, nous avons fait un top 10 des objets vraiment utiles pour un non-VIP. Bon, après, ça reste assez général. Mais si on veut faire un petit peu... On peut aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, voilà, vous avez à partir de là les deux collants, deux shorts, deux hauts, une paire de cheveux, une paire de chaussures et un petit accessoire. Alors là, comme vous voyez, elle est habillée comme ceci. Après, vous pouvez customiser. Bon, les cheveux, ça restera les mêmes, puisque forcément, on n'en a pris qu'une seule paire. Mais voilà, les cheveux, ça peut être un petit peu tout. Tant que c'est une coupe simple, naturelle, couleur naturelle, ça passe, quoi. Donc là, on n'a pas vraiment le choix niveau en termes de chaussures. On prend celle-ci. On peut très bien mettre ça avec un short top crop. Voilà, le petit jeans autour de la taille. Et soit ça, soit le collant. Donc, bon, techniquement, pas les deux en même temps. Hein, mais les deux vont bien, franchement. Après, moi, je préfère petite préférence pour celui-ci, parce que ce collant-là, franchement, il est beau. Hein. J'ai mis celui-là, c'est pas mon favori, mais comme c'est... Voilà, ça, je trouve que ça habille bien une tenue également. Ça peut être utile. Voilà, on met ça sur le visage, ça, elle l'a déjà. Voilà, donc vous pouvez très bien, sans ou avec collant, après, vous pouvez très bien garder ce haut-là, le jeans avec un bas, comme ça. Vous pouvez également changer le haut-là pour le haut blanc. Et je trouve que, voilà, ça fait un look simple, un look, voilà... ou par exemple avec celui-ci, ce qui peut être pas mal, c'est genre mettre le collant, voilà, comme ça on le voit quand même en dessous, ça passe bien. Moi franchement je suis assez contente, on a dépensé combien, j'ai pas fait attention, mais je crois qu'on a quand même dépensé dans les 3000 Star Coin. Mais là vous pouvez changer le look plusieurs fois, après vous pouvez changer d'accessoire, enlever celui-ci, mettre 100... Pareil pour le bas, avec le haut là, ou avec celui-ci. Voilà, franchement, non, moi j'aime bien, voilà. Donc les objets là, vous pouvez les retrouver. De toute façon, vous pouvez voir dans la vidéo dans quel onglet que je suis et sur quelle page si vous voulez retrouver ces objets là. Voilà, bon, c'est une vidéo assez simple et rapide, mais j'espère qu'elle vous sera utile. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une version VIP avec, selon moi, je dis bien selon moi, je précise, hein, parce que c'est pour moi des choses que j'aime bien. Je trouve ça casual, quoi, un truc un peu passe-partout. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et sinon, moi, je vous laisse et je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Merci. À bientôt. Et oh, oh, mais vous êtes faites mal, Marie-Josée. Oh, il y a des chances, Annie, et parler de ma morte. Marie-Jo, ça va ?